Oh punaise, la vidéo précédente, 50 minutes, mais n'importe quoi. Donc voilà, on recommence. On coupe un papier de 15,5 par 23. Hop. Je vais enfin peut-être arriver à me décider pour savoir de quel côté je veux le mettre. Est-ce que je veux le mettre comme ça? Ou est-ce que je veux le mettre comme ça? Et puis qu'est-ce que je veux mettre là? J'ai rien d'assez long. J'ai pas de chute encore assez longue. Ou alors je le colle pas tout de suite et j'attends de me décider. Voilà. Ah, ah, c'est peut-être pas terrible. Je trouve que le mélange là, il est. Ouh. J'avais pas pensé de regarder ça. C'est un peu moins choquant comme ça. Donc voilà, ça va être vite vu, il va être comme ça. Là, j'ai plus aucun flip à rajouter. Même pas si je change d'avis, il n'y a pas de place. Donc je peux y aller, je peux coller. J'ai pas d'aimant à remettre, rien. On peut y aller. Du coup, ce papier chargé et puis un peu jaunâtre là va être compliqué à utiliser ailleurs dans l'album, je sais pas où. Mais bon, au pire, c'est pas grave, hein. Au pire, j'utilise plusieurs fois le côté écossais et j'utilise jamais celui-là, hein. Il y a des blocs de papier, là, style les Stamperia, où tous les côtés sont tellement jolis, même l'arrière, qu'on a envie de mettre un bout de chaque. Mais sur les autres blocs, s'il y a un papier qui vous plaît moins, vous zappez, hein. Alors, hop. Oula, j'ai mis de la colle au bord. Voilà, on va vite effacer les boulettes. Voilà. Et on fait coller. Pourquoi je garde ça là-dessous?